Épisode 3. L'Empire attaque encore Montpellier. Ouais, non, en fait, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je vais à Montpellier chez un pote de saison de cette année et j'y reste 2 jours. Voilà, c'est mieux comme ça. Et avant de commencer, regardez ce petit graphique quasi parfait. Hein. Franchement, le camembert président n'a qu'à bien se tenir. Hein. Allez, c'est parti, générique. Waouh, je suis arrivé à Montpellier, ça y est. Il est 21h passé, 4h30 de train, c'est long. J'avais oublié, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait autant de trajets. Quatrième jour, petit réveil très sympatoche. Anthony est parti à la fac, il est en STAPS. Et ben, il travaille aujourd'hui alors que moi je me réveille tranquille ou bilou. Regardez-moi la vue que j'ai. Comment on ouvre ? Montpellier Zoo. Oh, je sens qu'il y a le but dehors. Alors là, pour l'instant, Montpellier, assez incroyable. Vraiment très très cool, la ville est très très belle, c'est grand, mais c'est vraiment très sympa, c'est très 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 beau. Vous avez vu les petits plans. Là, objectif, trouver à bouffer, parce que j'ai toujours pas mangé et il est 14h20, donc je sais pas ce que je vais manger. Des légumes peut-être. Alors, je sais pas si c'est une tradition à Montpellier ou quoi. Là, j'ai descendu une rue, il y en avait au moins 10 des magasins qui vendent des parts de pizza à l'unité. Nous, à Nantes, il y en a un, qui s'appelle Lumberjack, enfin que je connais. Et j'y vais, je trouvais ça trop stylé quand j'étais arrivé à Nantes, parce que c'est trop bien, t'as une grosse part de pizza, c'est pas cher du tout, au lieu d'acheter toute la pizza. Mais là, je te jure, j'ai descendu toute la rue, il y en avait une dizaine de magasins qui fait ça. Donc, c'est peut-être une tradition de Montpellier, grave cool. Et vraiment, tout ce qui est... sandwicherie ou même kebab, genre ça coûte que dalle, genre c'est 4€, t'as un menu et tout. Genre je sais pas, ils se font la guerre, ils font des... Il y a écrit offre promotionnelle, j'ai jamais vu ça sur un kebab. Enfin bon, et j'ai toujours pas trouvé ce que je bouffais. Bon bah j'ai craqué pour un sandwich, 4,50€, on s'est vraiment donné, je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas la qualité hygiénique n'était pas incroyable. Donc si je suis malade pour le reste du Tour de France, je sais d'où ça viendra. Il a fait une livraison. Ensuite, il est revenu me servir, il a encaissé, après il a mis le cheddar avec ses mains, c'est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. Mais en vrai, pour être honnête, je voulais manger des légumes, mais j'ai fait le tour pendant une demi-heure de la place de la Comédie pour trouver le Carrefour City, introuvable. Donc je sais pas où il est caché dans des immeubles, mais du coup j'ai abandonné et j'ai pris un sandwich. Mais par contre ici, c'est hyper mignon, le petit parc à côté de la gare est super sympa, regardez-moi ça. J'ai remarqué une petite particularité à Montpellier, c'est que tous les trams ont une couleur différente. C'est plutôt stylé. Là, il était bleu, il y en a un noir, un et rouge. Bon, je vais pas vous faire tous, mais il y a des couleurs de trams différentes pour tous. Et c'est un, c'est joli, et deux, j'ai pas trouvé l'intérêt. Mais c'est très joli, ça change des trams à Nantes. Grave cool. L'hôtel de ville de Montpellier, je pourrais dire, j'y étais. Tiens, 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 ça se trouve c'est pas moi. J'ai absolument plus d'eau dans ma gourde. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? Acheter un granité à 2,70€ chez Brioche Dorée. C'est très, très mentholé. Alors là, si tu pues de la gueule, tu vas chez Brioche Dorée. Tu prends un granité à 2,70€. Je passais exactement au même endroit il y a 2 heures. Il y avait beaucoup moins de monde, alors que là, bah c'est un petit peu plus rempli, les gens sortent du travail. Tiens, tiens, tiens. Fin de soirée, j'attends Anto là, et on va aller à une soirée BDE.
Sauf que techniquement, j'ai pas ma place moi. Donc ça se trouve, je vais être dans le bar d'en face et je vais boire des limonades tout seul. Bon, je sais pas. Bref, je sais pas s'il y aura un suivi de ça. Montpellier, finito. Pipo, très sympa la soirée hier à Montpellier, là, dans les petits bars. Là, direction mon train à 10h55 pour Toulon. J'ai une petite escale de une demi-heure à Marseille. Alors j'espère que ça vous a plu. Profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Et on se retrouve dans le prochain à Toulon, messieurs, dames. C'est incroyable ce Tour de France, c'est incroyable. Mais je vous tiens au courant. Et sinon, bah... fin de vidéo.